Putain, mais j'ai un stack de deux lignes, mais ça me sert à rien. Vous auriez dû remettre le push quand même. J'ai regardé Noachi cet après-midi. Oh, mon dieu, faut pas jouer sur l'abs. Hein. C'est nul. Oh, tu m'étonnes. Oh, les mecs sont en train de camper quoi. Vraiment, ils campent. Vraiment, Noachi tue. Il y avait un groupe de deux en face de lui tout au long du couloir. Il en tue un. Il entend un autre mec arriver derrière lui dans l'escalier. Il se retourne. Il regarde vers l'escalier. Genre 5 secondes. Il se remet à regarder dans le long du couloir. Le mec avait pris le stuff de son pote et c'était, on l'entendait se barrer dans l'ascenseur. Oh non. Alors qu'il y a tout à 1 rouble, hein. Voilà, je fais une game troll, je sors Gen 4 un saut avec une PP19 et une Kedre à côté. Après, je sortirai T6, HK. Là, c'est juste pour claquer mon stuff de merde. Ouais, hier, c'était quand? C'était avant-hier quand j'étais sur usine. Première usine que je fais, je tombe sur un campeur. Le mec campait à son spawn, accroupi, sur le teco avec une MPX. Les 4-5 games d'après, j'ai ruiné tout le monde en fait. Je courais partout, je lançais des greux, je passais en plein milieu. Tu veux jouer sur quelle map? Comme tu veux en vrai. Lito, lab ça sert à rien. Échangeur ça sert à rien. Il reste même base midi parce que le stuff ça sert à rien. Ouais, je suis chaud pour usine en vrai pour les streets. Le douane ou usine. Pas usine c'est fast. En hors ligne, ouais, en ligne je l'ai pas vu non. Ah, le mec qui me tue va claquer une barre. Alors, moi je dégage des armes de merde et puis après je peux jouer à les HK, les MP7 que j'ai là, tranquille. Si je suis quelqu'un, ça va être drôle avec. Attention, hein, j'ai l'ambou rouge de la crosse. Hein. Oh là là. J'ai le tube rouge, attention. Plus 2 de vélocité. Non, 0,02 de vélocité, attention. Oh là là. Ça va faire toute la différence. Surtout sur usine. Il avait vraiment mis le tube rouge. Le mec il avait mis le tube rouge sur sa M4, il avait mis une poignée, c'était la OMRG noire. Il avait même pas mis une Graal, mais tu sais, le mec il met quand même le tube rouge à 400 000. C'était hier sur douane. On tombe sur un mec, on le tue. Douane de nuit. Je regarde son stuff, il avait un SKS modé, mais SKS de merde, hein, vraiment. Avec juste un PK06 et juste un 18, c'est tout.
quand j'étais dans mes games là où j'ai tué le mec avec la M4, j'ai avancé, il y avait un cadavre d'un joueur par terre, il y avait juste un MP153, genre tout en cours, avec la poignée pistolet, pas, même pas une crosse là, même pas la poignée crosse, et avec un PK06 dessus, c'est tout. Putain. Ah, j'ai kiffé là, sur le SKS, le PK06 il était pas, tu sais, genre sur le capot. Il était sur le garde-main. Ouais. C'est le truc bien immonde. Ah, ça va, j'aime bien moi, ça, c'est sur certaines armes. Genre la KMSM. Et je fais exprès de pas mettre de capot. On voit bien le ressort et tout. Chercher ma montre à cousser là. Pareil, il y a 3 jours, on est sur zone de nuit. On voit quoi, un mec qui va chercher sa montre à cousser. No fake, on arrive, le camion était déverrouillé. Le mec, on l'a retrouvé genre 20 minutes après. Un ruaf, il s'était fait déboîter, c'était un level 2. Oh le pauvre. Il s'est fait déboîter par un radar. Ouais, ça a pris la longue. Il est au fond? Ouais. Ouais, il est peut-être reparti. Il y a un raider qui se fout derrière moi. Oh, il m'a tué. Oh, j'ai pris une descente. Ah, il m'a gru. Y'a un raider qui a spawn derrière moi, tu sais, comme quand une fois il avait ouvert la porte là. Ouais, je vois. Bah là, y'a personne normalement qui peut arriver derrière moi. Y'a un raider qui a spawn derrière moi, il m'a mis une balle. J'avais estomac noir et m'aura dit putain, Sam. Incroyable. Eh, il était à la SMB le mec. Donc c'était un SVD boy. C'est ça, j'ai pris 12,70 rip, estomac, derrière moi. Oh putain. Mais ça aussi, ça nous est arrivé hier sur Dawn de Nuit, genre on passe petite constru vers grande constru, et genre les raiders nous ont spawn 2 mètres derrière en fait. Ils nous ont mis tellement cher. Il a spawn accroupi derrière moi, genre juste derrière moi. J'ai entendu parler en russe derrière moi, je me suis retourné, je vois un raider accroupi en train de me tirer dessus. Heureusement que c'est le fin de wipe, hein, parce que ça, c'est problème ça, si ça spawn comme ça n'importe comment. Ah ouais, là c'est problème. Alors, hop la petite slick. Le X-Feed il m'avait porté chance là sur les game usines. CMS, vaseline. Salut. Tu veux relancer sur usine? Comme tu veux en vrai.
Je vais reprendre un chargeur 60 parce que je pense que je risque d'être short là quand même. Là qui sont 800 roubles. N'importe quoi. Casse-couille par contre les raiders sur cette map là. Sur l'usine, ouais. Comme ça n'importe où derrière toi. Bah c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je vois ça.
direct en recherche de partie. Alors là, ça, avec l'extension, je sens que ça va faire comme Doan. Tu vas charger à 100% pendant une petite minute là. Si on joue tes 3 murs là. Bah, 3 murs et un PNJ quoi. Avec une masse. Est-ce qu'après ce sera encore 5 joueurs? Peut-être pas aussi. Peut-être si on met plus de joueurs. Ah, peut-être, ouais. Il a. Yeah. Ouais, c'est bon, j'ai tué. C'est bien cher. C'était qui là, non? Ouais, c'était qui là. Oh, derrière. Mort, derrière. Putain, il m'a laissé à 60 HP le bâtard. Ça se pique devant. Avant que c'est toi. Ouais, je suis en train de me heal. Ah, ça s'est piqué, genre sur un. Bien, mais plus moi. J'ai une CMS. Quoi? J'ai une grenade qui m'a pété. Attends, fais gaffe, il est peut-être au GL ou c'est une grenade qui m'a pété au nez et qui arrive en cloche. T'es mort? Oui. Ah merde. J'en ai tué deux, j'ai tué deux joueurs. Ah, on s'est peut-être trade. Il y avait un mec pile en bas là, au niveau des escales. Putain, j'ai estomac, bras gauche, jambe droite, black. Ah non, j'ai pris une F1. Une F1 qui a pas fait de bruit. Avant qu'il soit arrivé en cloche. Mais j'ai dû le tuer parce que j'ai deux kills. Du coup derrière c'était un joueur et sous les escas aussi. Déjà qu'il a de base, il m'a mis mal, mais alors le joueur derrière. Oh, tu m'as dit derrière, je me suis retourné, je lui ai mis une grosse tête, je crois qu'il a pas compris. Pile quand je mets ma vaseline et que je commence à la remettre dans mon stuff, c'est le raider qui arrive devant moi qui me tire dessus. Heureusement qu'il m'a pas eu de tête. T'as, c'est con que le TG elle dure pas longtemps quand même. Ouais, c'est ce que j'ai pris parce que Killa m'avait mis trop cher du coup. Ah oui. J'ai claqué tout de suite, mais bon, pas le joueur là. Yo Phoenix, bah bon courage à toi, ma gueule. Pour le taf et bonne soirée. Ah, mais t'as pris une tête? Non, ça, c'est la tête que j'ai collée au joueur que j'ai tué l'autre coup, ça. Okay. En fait, j'ai récupéré son casque. Ah non, c'est non, ça c'est la tête que j'avais pris du SCAV, ça, à la Kedra. SCAV joueur. Il faut que je regarde juste au niveau du carton, dans l'angle là, en bas des escaliers, s'il y a un mec mort. Il y a un mec ouais. Mort, ouais. Ouais, bah on s'est entretué. Je te sors ton stuff ou quoi là? Comme tu veux, je m'en fous. Vas-y. Ouais, je peux pas prendre ton casque. Ouais, après c'est pas grave le reste. Peut-être les chargeurs à la limite parce que je crois que c'est
t'en as que deux par reset là, de marchands. C'est chiant les max 50 là. Après les 30 je m'en fous, c'est juste le 50. J'en avais 2,50 je crois. Hop, vas-y, il me sert. Ouais, ah, il était à la MCX. Oh, c'est pas fou la MCX. Oh, ouais. Bah, comparé à une HK ou quoi, ouais, c'est clair que. Bah, les balles surtout, je trouve qu'ils merdiques. Lui, il avait une SS58, putain, elle doit avoir une ergo de merde là. 27, ah ouais. Si tu comptes jouer, prends les balles. Si tu comptes jouer le M60, mais. Bon, en vrai, les balles ça va parce que ça coûte rien, tu vois. Ou les chargeurs en soi. Oh, par contre, son Golden Star, lui, je lui pique. Dis-toi que tu vas rien revendre à prix d'or. Hein. Tu vas tout revendre à 1000 roubles, donc. Même pas. Hein. Oh non, là, de toute façon, je prends juste stuff qui va me resservir à ressortir, mais là, de toute façon, j'ai plus de place donc. J'avais pas de maison. C'est vrai que j'ai pas les clés. Je suis trop con. Tu faisais quoi, mec? J'avais pas un gros sac? Ou à moins que je suis ressorti sans sac, je sais pas. Ouais, t'es sorti sans sac. Ah, ok. J'ai l'impression que tous les PMC sont sortis sans sac. Et qui l'a? Non, non, il a pas de sac. Mais... Regarde les raiders qu'on a. Peut-être il a un sac plus gros. Si tu veux sortir. Ouais, il a un die pack. Ah, ouais, fichier. Ok, là je vais défoncer son casque et son câble. Fantôme hein, que je me suis pris, c'est trop chiant ça. Le mec qui campe à l'intérieur des bureaux, frère. C'est quoi, un PMC? Ouais. Il m'a acheté une grue, je me suis barré. Bah là, il va s'amuser tout ça là. Il y est encore, hein. Il est encore en train de greux. Il croit encore que je suis dans les bureaux. Ah putain. Il va aller looter des scaves, il va être content. Ah, j'ai fait 3500 roubles sur sa run. C'était très rentable. C'est tellement ça, gros. Parce que dis-toi qu'une Gisèle, je crois, neuve au marchand, tu l'achètes 1000 roubles. Ah, mais là, putain, c'est le mec, c'est je lance. Je passe les douches. J'arrive côté porte 3, puis j'entends un mec crapaud au-dessus. Je suis, attends, y'a pas un PMC quand même. Tu sais, je me suis dit, j'attends 5 secondes avant de rush pour voir ce qu'il fait. Puis là, j'entends, il me jette une greue. Je commence à courir vers la porte 3, je me pète les deux jambes en sautant. Je suis, allez, vas-y, c'est bon. Salut. Et j'entends, j'ouvre les portes, je sors, je suis en train de m'extraire, et là, j'entends qu'il continue à greuer. Eh ben c'est, on commence une deuxième ligne pour Smoke, dans la boîte à Doctaille.
Je vais prendre un sac plus grand. Ouais. Tu me ramènes quoi, du coup, histoire que je prenne le reste? Je te sors ton AK, je te sors tes chargeurs et ta 6B43. Ok. Voilà, j'ai pas pu prendre, j'avais pas de gros sac, mais. Bon, c'est pas grave. Même pour sortir des golden stars, quoi. Si tu meurs, tu perds un golden star à 10 sur 10, même si je m'en bats les couilles, ça me fait chier en fait. C'est clair. Bah là, le mec, il a celui que t'as tué derrière, il a perdu le golden star à 9 sur 10, puisqu'il en avait un sur lui. Et c'est pas perdre le golden star qui me fait chier, c'est donner à un mec un golden star full en fait. J'ai pas envie de donner des trucs comme ça des fois. Ça me fait chier. Si, je te sors tes greux aussi, remarque. Non, t'inquiète, ça va. Ouais, ok. Ah, tu t'en es fait un à la grue et un à la cancer 3. Ouais. J'en ai tué un à la grue ? Ouais, y'en a un qui est mort à la cancer 3. Mort à la grenade des fins, ouais. À ma grenade des fins ? Ouais. Je pense que c'est le mec qui était en contrebas là qui t'a tué. Ah, mais tu sais que ma nade, je l'ai jeté au-dessus dans l'entrée, dans le troisième étage. Enfin... Bah, elle a dû retomber, genre. Ah non, mais je l'ai vu passer dedans. Ah. Et c'est tué par IRLK, arme F1. J'ai une nade moi dans le bâtiment, hein. Et c'est vrai, et elles sont passées, hein. Et elles ont pété à l'intérieur, je les ai vues péter. Hein. Ah ouais, il marche bien le jeu. Le mec il est mort en Wi-Fi. Wi-Fi 6, 5G, tout ce que tu veux. Et moi, juste après, je me prends une grenade qui fait pas de bruit. C'est incroyable. Ah, j'ai plus de morphine, c'est con ça. Alors, Toubib. Ah, oui, il y a une armure qui l'a eu. Sérieux, tu peux en acheter que 4 de la morphine, c'est de la merde. Ok, je drop le sac à l'arrivée, il y aura tes deux chargeurs et ton Kevlar dedans. Et je vais dropper ton arme à côté. Ça marche. J'ai pris une attaque 2, ok. J'allais tout assurer, n'importe quoi. Par contre, clairement, je crois que ça sera la dernière game de la 6B43. Hein. Pourquoi elle est à combien? Je l'ai réparée, elle est à 53,5. Là, elle est fatiguée. Ah oui. Ce serait pas tellement mal. Elle est 15, je m'en fous. Elle arrête une balle de tose. Même à 2, je la répare encore. Même la 9x18 ça fragmente dedans, tu sais. Mais tu sais que ça coûte plus cher de réparer une Zabralo et de la rejouer que d'acheter juste une Gisèle à Ragman. Ouais. À chaque fois.
cher de jouer à la Killa que de... Non, ouais, c'est parce que j'ai pas fait gaffe quand j'ai récupéré, mais sinon je l'aurais pas récupéré, je t'aurais fait une 6B43 direct. Oh non, mais j'en ai d'autres des armures aussi. Enfin, problème. Ça fait chier, je peux pas jouer à la SR58. J'ai pas de balles, elles sont tout le temps en rupture. Quoi, tu veux dire les M61 et tout là? Ouais. Ah là, j'en ai acheté juste avant. Ah bon? Ouais. Je regardais le $1 la balle. Ah, puis même, c'est chiant en fait. Par reset, tu veux en acheter que 80. Ouais, ouais, ça c'est chiant de ouf. C'est même pas une partie. Si tu jouais SR25 ou M1A, c'est faisable, mais si tu joues full auto et. Genre la DTMDR 308 ou la FAL, ouais, tu. C'est même pas 3 chargeurs. C'est ça. Puis la M993, par contre, comme c'est pas vendu au marchand, le prix. T'es à 25 000 roubles la balle, quoi. Bon, après, c'est le fin de wipe, on s'en fout, mais quand même, quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a le match ce soir, je vais zapper. Ouais. Bon, je vais regarder le match, moi, après. C'est à quelle heure? 21h, ouais. Putain, j'ai regardé le match, moi, après. Ouais, je pense que je vais regarder aussi. Je kiffe que les mecs. J'y repense encore, mais ça me choque. Hein. Le mec derrière qui crapaud, tu sais. Faut essayer de nous back. Putain, c'est la fin du wipe. Les mecs jouent encore leur vie, quoi. Ils s'entraînent pour le début du wipe prochain. Ah bah, ils peuvent s'entraîner. Hein. Ça va leur faire du mal hein, quand ils vont passer d'une arme full auto avec de la M61 à une arme semi-auto avec de l'EPS. Avec 130 de recoil, sans viseur. Ça va saigner du huc un peu. Putain, je vais pouvoir jouer en plus les premiers jours de wipe là. Oh, incroyable. Ouais. Ça wipe le 24, je commence à jouer le 26. Les mecs c'était déjà niveau 15, j'étais niveau 1. Ouais, puis bon, tu vas faire la boussole, les mecs qui campent au camp U sec là. Oh, ça, je vais bien la faire tard, celle-là. Faut me faire chier. Pareil, de toute façon, la boussole en vrai. Ouais, mais c'est que ça te bloque pas pour les quêtes en fait, donc. Ouais, ça, non, mais je veux dire, la boussole en vrai, elle sert pas à grand chose quoi, tu vois. Oui, mais encore. Il faudrait que je fasse cette quête pour après avoir les quêtes d'après, je l'aurais fait, mais... J'ai pas besoin. En plus, genre j'en ai looté sur ce wipe-là des boussoles dans la Syrie. Ou genre tu vas à la Syrie, tu veux tuer de boussole, fais bon allez vas-y. La quête c'est pas fait. Hein. Y'a que sur Bob que tu peux en loot. Ouais parce qu'en fait dans la série c'est spawn de loot un peu bizarre, genre tu veux des balises, des caméras, des boussoles. Oh merde, fais gaffe, y'a un joueur qui arrive. Ça court. Allez donne-moi ta armure. J'ai jeté ton arme là devant. Je l'ai tué en DSK normalement. Ouais, oui.
Je vais jeter une grue au fond, au cas où. Ah bah, Mazabralo, il a 14. Ah, mais c'est de la M. C'est quoi, MIAP? MIAP, c'est au-dessus de la BP. Ça ah, c'est plus puissant? Ouais. Il est dans la douche. Ah non, il est pas dans la douche. Je vais remonter de l'autre côté. Fais gaffe. Je lance une grue dans le connecteur. De l'autre côté. J'ai rien. Y'a un mec. Oh non, mais il est sérieux! Regarde où il campait. Oula, c'est moi! Ah, désolé, je croyais que t'étais mort. Regarde, là. Il était là-dessus, sur le. Il est sérieux! Ouais, quand je dis que ça joue encore sa vie. Niveau 38, il joue comme ça. Hein. Attends, en plus, il a un casque sur la guerre mondiale. Non allez. Ah bah mon armure est à 0. Il y en a encore un qui est sous le connecteur, je dirais. J'ai encore de la zone. Ouais, j'ai encore de la. Je sens balancer une là. Get down, grenade. C'est un radar. Est-ce que ça s'est fait traiter? Ça a ouvert une porte. Ça a fermé. C'est moi qui ai fermé. Ok. Pourquoi ils sortent tous avec des MP? Oh oh! Il y a Grenada là. Ouais, c'est moi qui pense. Ah bah j'en ai tué un. Merde, j'ai raté ma grue, recule. Il est où? Ouais, ils doivent être en dessous, coin pute ou. Ou sous les scamétal connecteurs. C'est toi métal? Ouais, c'est moi ouais. Métal. Je sais pas que ça faisait des bruits de métal ici. Niveau 48. P3TM niveau 48. Bah mais ils sont au courant que c'est le wipe les gars ou quoi là? Mais ce que je disais du coup là, tu sens là les mecs là, qui ont essayé de se faire les boss. Tu sens là les mecs qui ont essayé de faire les boss durant tout l'event. Ils ont perdu tout leur stuff. Et là pour le wipe ils se retrouvent à poil. Ouais il a complètement un pute en fait. Tu meurs. Oh, fais gaffe, la grue la fait. On a pas rebondi. Non, y'a rien. Juste, je n'ai pas. Ouais, je pense que le PMC en dessous il s'est fait scaven. Il y a eu des raiders à côté. Il est toujours en dessous. Normalement, j'en ai tué un juste en dessous de l'ESCA et un coin pute. Ah non, j'entends pas rien. Fais gaffe, hein. Non, y'a rien. On l'aurait gueulé. Ah, y'a un raider mort ici. Ça, c'est le raider que t'as tué au début, ça. C'est le trader que je suis tué. Bah il a une Gen 4 lui si tu veux. Mid un peu moins de la moitié. Ça va gueuler derrière. Ouais ça métal. Il a des chargeurs de SA50. Ça m'intéresse. Земляк, мы стрелять не хотим! Дети,
Là, il est arrivé en dessous de l'escalier connecteur, c'est un scav normal. Ok. Là, j'ai cramé de la 995 sur un scav normal. Qui, même si elle est morte, qui prenne une balle dans l'eau, je vais l'acheter comme ça. Tu veux que je te ramène le Gen 4 ou pas là? Je vais aller la chercher. Attends. Oh, j'ai sauté. Non, c'est bon. T'es où? C'est toi qui. Je suis coin pute. T'entends là ou pas? Ouais, je t'entends. Viens là où je suis. Hop, j'arrive. We are coming, you hear? Et tu me vois là? Ouais. Tu les jettes là-dedans tes armures, moi c'est là-dedans que je les jette. Ah ouais? C'est pas con. Personne qui monte là. Bon, elle est pas ouf la Gen 4, mais au moins ça peut tanker une balle. Quoi. Oui. Et du coup, il manque un joueur là. J'en ai tué deux. Il en... Attends, 2, 4, 1. Ouais, il en manque un. Ouais, il y a des cadavres aussi. Raider. Ça, Raider, ça aussi. Attends, c'est dans le super. Hein. C'est un joueur ça. Il est là le joueur qui manque. Il s'est fait scaved. Oh là là. Ah tristesse. Non, il a pris un Vulcan. C'est juste le Vulcan. Mais ça, le Vulcan, ça c'est pas bien ça. Ah, il a. Ah, il part avec P90, un chargeur quoi. Ah, en plus là, on peut pas dire genre il putsch ses chargeurs parce qu'il y avait pas de putsch. Ah non, et une grenade. Hein. Oh là là. Ah, il essaie certainement de se looter sur l'escave. Ah. J'ai l'impression que ça montait de sous-sol à l'étage, par rez-de-chaussée. Je suis descendu. C'est quand même normal qu'il m'a mis une décharge de pompe, il m'a découpé. Il m'a mis de la 8.5 dans le bras, il m'a mis 120 HP. Pas ce que normal. Vas-y, j'arrive. Tu vas jouer une MP5 ou pas? Parce que j'ai un Charles 50 là. MP5 non, j'en ai déjà deux en stock en vrai ça. J'ai charge 50 là-dessus. Vas-y. Extrait. Oh, trop de chance qu'il y a une carte lab sur lui. Ah, je suis dégoûté qu'ils aient mis la vie là-dessus. Putain, j'ai encore une quinzaine de cartes lab là. Putain. Ouais, pareil, j'en avais 11, je les ai toutes revendues du coup. À Toubib. J'étais deg. J'ai claqué une barre, j'ai tué. C'était. Bah, c'était un cultiste, j'ai tué.
J'ai trouvé une carte jaune sur lui. Je l'ai vendu 450 000 roubles sur le Vli. Ah. C'est n'importe quoi. Putain, ça va faire chier, n'empêche le web, parce que d'un côté, il va y avoir tellement de cheaters là. Ouais, les cheaters plus les ratus. Parce que là, tu regardes, hein, ça fait un... moi, ça fait un bon moment perso que j'ai pas vu un cheater. Alors que je suis en auto-U. Ratus, ça t'en croisera toujours, mais cheater, ça fait longtemps que j'en ai pas croisé. Ou au moins des mecs où t'es sûr qu'à 100% que lui cheat. Bah, des ratus, t'en croiseras toujours, mais t'en as quand même un peu plus début de wipe en fait. Ouais, bah, ça, je m'en rappelle, je sais, hein, le mec qui m'a campé pendant 30 minutes à l'extérieur du dortoir dans un bush. Quand j'étais avec ma vieille M4 pourrie, ma capa. Et ma paca. Je... je m'en rappelle. Ouais, bonjour. Yo, ma gueule, comment ça? Ça va ou quoi? Bah tu fermes ta gueule toi. Ça va et toi? Ça va tranquille ou? Ah, c'était la M80, ça va. Ah, je vais vomir. Moi, moi il faut que je nique des grands-mères comme ça, deux jours du wipe. C'est hallucinant. Fait que tuer des mecs, mon stage il est full. Oh. Alors j'ai fait une game, j'ai ramassé le truc de ninja là. Je vais pas avoir le temps d'en refaire une. Quoi? Ouais, y'a le match, putain, j'avais zappé. Mais ta mère avec ton match, toi! Comment ça, ta mère avec ton match? Mais tu mets la truc à côté là! Mais rien du tout! Mais sors ton deuxième écran là! Mais je vais le regarder dans mon salon en fait! Mais de toute façon, ils vont perdre! Bah non! Bah si! On va pas se faire bouffer par des petits Suisses! De toute façon, je vais regarder aussi donc! Que vos mères! Voilà. Suisse, quand même. Non, mais. Venez jouer à Tarkov là! Mais après. On s'en fout là, des mecs qui jouent, qui sont payés 80 millions pour courir après un ballon là. Ouais, on va jouer après, t'inquiète. Après le match? Et vous y a pas de mais problème. Qui après le match? Bah quoi, vous commencez à crier après le match? T'es enculé. Mon stream s'il déconne pas. Et en fait Godrak, je sais même pas comment j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai récupéré tous mes trucs. Bah nice, en vrai. Alors me demande même pas comment j'ai fait parce que j'ai cliqué, je sais plus. Que dans OBS par contre, j'ai pas touché à Streamlabs. Que dans OBS? Ouais. Moi ça va, t'as eu de la chance. Quoi. Attends, j'ai fait quoi? Attends, je vais te dire. Je suis allé dans collection, je crois, un truc comme ça. Eh bien, on va se faire un Among Us. Ouais, deux, ouais, super. Ah, regarde ce que j'ai lancé. Ça va être dur. Hein. Regarde ce que j'ai lancé sur Discord. Quel de Discord? Bah, là où on est. Ah, le marché? Non, là, le channel où on est. Quoi? Regarde le channel où je suis. Dans le vocal. Tu vois pas qu'il y a une petite manette de jeu? Et toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. T'as arraché toi aussi là. Là je peux même pas rejoindre, what the fuck. On s'est fout de péter, ça me fait un écran gris. T'as le Fortnite ouais, aussi non? Vas-y. Fais des murs. Amène la drouelle. José.
Et du coup, vous avez compris, je m'arrête là pour regarder vite fait le match et puis en profiter pour aller manger. On se retrouvera tout à l'heure pour Tarkov. Non, mais vous êtes sérieux là ? Je souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne début de soirée. Et on se retrouve tout à l'heure. À la prochaine.